Oh, tu n'as même pas idée. Combien d'entre nous, on le banalise. Je parlais de vendredi. Comment on méprise le Saint-Esprit sans se rendre compte qu'on est en train de le mépriser. On fait des pasteurs, les héros. Il m'a dit, Paul n'était pas le héros. Le héros, c'était moi. C'était moi qui me déployais à travers l'église apostolique. Mais les hommes, on aime les héros. Le pasteur Paul, lui-même, dépend du Saint-Esprit. Mais les gens disent, si c'est Paul qui conduit la prière, je suis à l'église. Et quand il apprend que ce n'est pas Paul, il y a des gens qui sont connectés sur Internet. Si ce n'est pas le pasteur Ivan qui conduit, qui prêche aujourd'hui, bon, il se déconnecte. Tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de montrer au Saint-Esprit que tu ne le respectes pas. Tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Au lieu de prier, Seigneur, qui que ce soit que tu utilises, étends ta main sur lui, donne-lui d'annoncer ta parole avec assurance, étends ta main, qui s'opère des prodiges, des guérisons, des miracles par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Non, la plupart des chrétiens, si ce n'est pas Castanou, si ce n'est pas Marcelo, si ce n'est pas un tel, bon là ce n'est pas pareil. Tu viens de banaliser et de mépriser le Saint-Esprit, tu viens de faire du pasteur ton héros, et ton héros ce n'est pas le Saint-Esprit. Autrement dit, sans que tu te rends compte, tu ne l'as pas mis au centre de ta vie, tu ne l'as pas mis au centre de l'église. Ouais. Ouais. J'aime bien ton silence, c'est bien. Maya Ramassé, c'est un désordre que nous allons corriger tous ensemble au nom de... Et soudainement, on va arriver. On va se rendre compte que ce n'est plus la question qui prie. Ce n'est plus Paul. Ce n'est plus... On ne cherche plus Paul. On ne cherche plus Pierre. Tu sais pourquoi? Parce qu'on découvre qu'il y a des gens là, ils n'ont pas de titre. Hein? Ils étaient hier rien du tout. Il y a quelqu'un, Étienne, ou Philippe. On pensait qu'il n'y avait que Paul, Pierre, Jean. Et soudainement, ils se rendent compte, ils découvrent que le Saint-Esprit a plus d'un tour dans son sac. Le Saint-Esprit n'a pas une personne. Le Saint-Esprit est le héros. Alors pour leur démontrer qu'il est le héros, il prend Philippe, il l'emmène à Samarie. Et puis il crée un remue-ménage à Samarie. Jacques, Jean, les disciples entendent parler de ce qui s'est passé en Samarie. C'est qui? Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas un des apôtres. C'était un simple diacre, un simple ministre, un simple frère dans l'église qu'on appelait Philippe. C'était un simple frère qu'on appelait Étienne, mais qui a déménagé toute une ville. Que ce soit ton partage. Arrêtons d'enfermer le Saint-Esprit dans une boîte. Moi, je veux que ce soit le pasteur principal qui prie pour moi. Les autres, là, c'est pas clair. Tu viens de dire au Saint-Esprit que ton héros, c'est cet homme de Dieu, là. Ce n'est pas lui. C'est subtil. Et après, tu dis, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Il est en train de te dire quoi? Tu crois que moi, je suis un caniche? Je suis sa majesté. Je suis le roi. C'est toi l'esclave, c'est pas moi. Je ne fais pas ce que tu me demandes de faire. Je fais ce que moi je te dis de faire. Quand tu le fais, c'est là que je confirme que c'est moi qui t'ai dit de le faire en mettant ma signature, appelé miracle, appelé signe, appelé prodige. Et si tu n'acclames pas, ça m'est égal. Maya Revo Shaya. Le Saint-Esprit sera au centre de un parcours chrétien. Ce n'est pas le pasteur Ivan, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dis encore un bon amen. Amen. C'est vous qui nous attirez des problèmes avec le Saint-Esprit. Point que parfois tu vas quelque part, tu n'arrives pas à couler. Je vous ai raconté l'histoire à la fois où je suis allé prêcher quelque part. Et puis quand on a dit pasteur Ivan Castano, toute la foule, les gens étaient heureux. Je crois que c'était à Abidjan, je ne sais plus. Et quand j'ai pris le micro, le Saint-Esprit m'a dit, on vient de t'acclamer. Ce n'est pas moi. C'est toi. Quand il a dit ça, j'ai senti vous. C'est comme si le manteau m'a quitté. J'ai dit, hein? Seigneur, il y a 10 000 personnes là. On fait comment? Là, t'as un gars, elle a fait comme ça là. Oh, oui. Oh, j'ai ramé en train de prier, ramé en train d'adorer. Et c'est comme ça, les gens sont cruels. Hein? C'est eux qui emmènent le Saint-Esprit à te disqualifier. Et puis maintenant, ce sont les premiers à te juger. On dirait qu'il a perdu l'onction. On dirait que le Saint-Esprit, là, c'est pas pareil qu'on voyait sur Internet. Comme. Rabashaya. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il y a la clé.
chrétien qui amène, qui offense. C'est, on l'offense. Et on lui demande de se manifester. Jamais. Il m'a dit jamais. Si je ne suis pas le premier, je suis, c'est lui qui bâtit l'église. C'est lui qui a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. C'est lui qui est le commandant en chef. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui qui ouvre des portes. C'est pas un pasteur. C'est pas un prophète. C'est pas un apôtre. C'est le Saint-Esprit. Le héros du livre. Le héros du livre, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le héros du livre. 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 Oh, Karabashaya. Alors, quand on fera de lui le héros de l'histoire d'un Pakistan chrétien, vous allez voir, quelle que soit la personne qui va apparaître sur l'estrade, vous allez être choqué, scandalisé. Vous allez dire, lui aussi. Ah, non, 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 il y en a plusieurs. Karabasha. Seigneur, fais-le. Seigneur, confirme-le. Seigneur, confirme cette parole. Et je serai le premier à être fier de ça. C'est être un médiocre pasteur que d'avoir peur de voir l'ascension de tes fils médirables, misérables. Moi, je vois les fils se lever, je suis fier. Viens avec moi le Saint-Esprit. Tu seras honoré en Pakistan chrétien. Ah ouais. Il sera honoré. Il sera honoré. Je refuse la popularité. Je refuse la popularité. Le Saint-Esprit est la clé. Alléluia. Magnifique Esprit de Jésus.